Salut à tous, c'est Black King. Il y en a, j'ai trouvé une vidéo d'un mec sur YouTube et qui démontre que les logs que je fais sont totalement légit. Moi aussi, j'essaie de refaire ça. Après, ça me faisait un peu préparé, mais avec un peu moins de logs. J'en avais 8, je crois, ou un truc comme ça. Bon, je vous laisse avec la vidéo du mec. Bonjour les copains, on se trouve pour une nouvelle vidéo pour vous prouver que la Bell Squad, bah, ils servent pas de vérif en fait. Genre, la preuve c'est que Monsieur a pu record une de leurs scanchers, ils ont banni The Black King pour vape. Mais en fait, genre, je vous montre dans la vidéo que juste en se mettant en plein écran, tu prends 8 à 9 logs de plus, quoi. Je vais vous montrer dans la vidéo qui s'affiche normalement. Enfin bref, donc ça c'est déjà pas une preuve tangible pour Ban Zibla, vu que Zibla a utilisé peut-être un client, mais vraiment pas, c'était vraiment pas ça. N'importe quoi, la Bell Squad c'est n'importe quoi, enfin bref. Genre, apparemment ils ont ban Shinx pour Veil, enfin n'importe quoi. Leur technique de screen share, non. Genre, vous pouvez faire le test vous-même, hein. Vous mettez en plein écran et pouf, vous allez prendre 9 logs, quoi. C'est deux oui quand t'es pas en plein écran. En gros, c'est ça. Bon, bref. Bon, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Hein. J'avais pas grand chose à vous dire. Il y a plus de monde qui se fait false ban par la Bell Squad. J'espère que ça pourra aider ma reconnaissance en tant que légit. Ça serait sympathique quand même. Parce que pendant la scan search, surtout qu'il a rien trouvé contre leur sub en fait. Bon, pas se cacher, il est même pas clair sur ce que lui il a trouvé. Donc. Enfin bref, je vous dis au revoir les copains. Vive. Du coup, comme vous avez pu voir après cette vidéo, que ces logs ils étaient totalement légitimes, ça vient juste de Minecraft, il n'y en a aucun client ni rien. Simplement, le modo, c'est. Je sais pas, Narwin a dit qu'il allait faire un staff correct. Il recrute des mecs avec des logiciels qui touchent au Java, des gens qui n'ont jamais fait deux lignes de Java dans leur vie. Deux lignes. Même moi, à mon avis, je connais mieux en Java que. Ça veut dire que ce modo-là, dans le passé, il a banni d'autres gens pour des choses totalement inexistante. Il a false ban. C'est inadmissible pour un serveur comme Stealth. C'est pas le vieux serveur, c'est pas le vieux serveur d'avant. Non, même avant Stealth, c'était mieux. Parce que quand il bannissait vraiment. J'ai vu très peu de false ban. Alors que là, le mec il peut dire, ah ça c'est un cheat. Et le mec qui va rien connaître en Java, il pourra pas ni déprouver la preuve ni rien. Bon, sur ce, c'était totalement faux. Échec et mat, Mouchoué. Je veux pas de client, je suis juste plus fort que toi.